Tout d'abord, c'est important de préciser que c'est important que le secteur privé soit partie prenante, quoi, et donc les grandes entreprises soient partie prenante des politiques de développement et de lutte contre le réchauffement climatique, etc. Mais cette participation, elle ne peut pas se faire sans un certain nombre de garde-fous et de mesures d'encadrement afin que soit garanti le respect des droits économiques et sociaux, les droits politiques, mais aussi les questions liées à l'environnement. Or, actuellement, ce qui pose problème, c'est que dans les grandes conférences, notamment celles sur le financement du développement, on parle plus de créer des environnements favorables et de mettre en place des incitations pour cette participation du secteur privé, mais sans une contrepartie liée au respect de ses droits, au paiement des corrects des impôts, la consultation préalable des personnes dans les zones d'extraction, par exemple, etc. On est plutôt à créer donc ce qu'on appelle des environnements favorables et des incitations qui sont plutôt liées à des exonérations fiscales, des facilités de financement par les marchés, de mettre en place des outils, notamment de financiarisation, qui pourraient faire rentrer dans les enjeux de développement et de transition énergétique, les germes de risques spéculatifs, alors que ça ne devrait pas être rentré dans ces champs-là. Et donc c'est important ce que pourrait par exemple faire la France, comme elle a pu le faire par le passé, c'est de montrer l'exemple. On dit souvent que pour mettre en place des politiques d'encadrement des dispositifs internationaux, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que tout le monde le fasse. Malheureusement, il faut bien qu'il y ait un pays ou un groupe de pays assez puissants qui le fasse en premier pour que ça fasse boule de neige. On l'a vu par le passé sur les banques, par exemple, où la France a été la première à voter la transparence pays par pays pour les banques sur des chiffres clés. Ça a été ensuite adopté au niveau européen. C'est important que la France, dans ses politiques nationales, montre l'exemple et entraîne d'autres pays, que ce soit au sein de l'Union européenne ou même au niveau de l'OCDE, pour faire ce premier pas pour mettre en place des législations globales d'encadrement.